le Nord. Dans l'Ouest, Créole FM. FM. C'est exotique. Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement barjou. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio, mais également sur ta télé. 100€ chaque dimanche dans ton émission en participant au jeu Night par SMS au 80-90. 100€ chaque dimanche dans ton émission. Bonsoir et soyez les bienvenus sur Télé Créole, également Créole FM. Vous êtes y arrive en direct avec Annel. Comment il est Annel? Vous êtes bien? Il faut allumer. Ah, bah, voilà. Bonsoir tout le monde, Léla. 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 Ouais, elle est en forme. Léla. Ah non, elle est déjà allumée. Ah ouais, c'est le décalage. Léla, Léla. Tranquille, elle est en forme. Un plaisir d'être avec Zot. Hein. C'est le décalage horaire avec, avec Annel ce soir. Ah bon? Ah oui, ah bah bon oui, de temps en temps. Mes réponses là en décalé. Oui, de réponses en décalé. Aïe, 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 aïe. De réponses non, là, mais... là en décollé, Gada. Ce soir, je sais pas. Ce soir, maladie, m'y marche avec le temps, les failles. Donc, ma connexion, les failles. Ah, connexion, les failles. Bonne raison, hein. Faut pas trop les failles. Ouais, ouais, ouais. Moi, les désolée, là. On a longtemps là, pour encore arriver, mais là. Oui, voilà. Bon, le poisson, le début vraiment... du mois. également, bien si, François me le dirait. C'est comme le compte, ça se vide vite. C'est ça. En tout cas, merci François pour le direct jusqu'à 22h, en tout cas, jusqu'à ce soir. nous avons deux invités, donc notamment donc, Luciano de Comzot, il sera là dans un instant, donc nous yes. va parler un petit peu ses 30 ans pour ce samedi prochain. Donc, 30 ans donc, au Cabaret Doc. On aura également donc, en deuxième partie Valérie Triban, donc, du côté de Paris. Hein. Donc, elle est originaire de la Guyane. Donc, ça sera tout à l'heure. Elle nous rappelle quand même, parce que les vrais, effectivement, on a le jeu Night par SMS Annel. C'est ça? C'est ça, effectivement. Nous avons le jeu Night. Hein. Un petit peu tenté de remporter 100€ chaque dimanche. Et pour cela, il suffit d'envoyer le mot Night, N-I-G-H-T par SMS au 80-90. Donc, Night par SMS au 80-90. Donc, voilà, Zoti pourra inscrire à Zot et tenter d'être sélectionné pour le tirage au sort donc, qui se fait chaque dimanche. Voilà. Donc le jeu Night par SMS au 80-90. D'ailleurs, donc on a eu le tirage au sort donc pendant la pause également. Et malheureusement, les amis, donc la personne que l'a pas anticipé, la palette ses coordonnées. Ah ouais. Donc il faut vraiment les coordonnées pour rappeler. Donc il faut aller au bout des participations. Hein, vous y participe. Il y a 3 SMS envoyés. Donc si maintenant les coordonnées, il est battu. Miguel pas appel à Zotox ce soir. Donc, ça va vraiment très compliqué. Et la personne avait participé donc le 30 mars. Voilà, donc le 30 mars. Oh mince. Le 30 mars. Ça, c'est vraiment dommage là pour cette personne, hein, parce qu'elle pouvait avoir 100€ là ce soir. C'est ça. Donc. Pas moi. Ouais. On salue quand même. Moi, m'y prends, moi, s'il ne veut pas. On salue quand même Lilou du côté de la page Instagram. Salut Lilou, j'espère que vous allez bien en ce dimanche Coucou. Soir. Voilà, donc Lilou, si vous voulez participer pour les 100€ de cash donc, à gagner donc, dimanche prochain. Allez, nous voir. N'hésite pas. Voilà, n'hésite pas. Donc, dimanche prochain, donc 100€ à gagner. Dimanche prochain, donc, vous allez Night par SMS au 80-90. Alors, le temps, ben justement, tiens, nous va retrouver Annel et Luciano pour l'interview. Nous parlons juste la bande-annonce, ce qui arrive pour le mois d'avril, et ça va directement avec l'interview de ce soir. C'est bon pour... Les bons. C'est bon pour ça. Nous fait comme ça. Les bons. Allez, à tout de suite sur Créole FM et Télé Créole.
direct avec Dany et toute son équipe. Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio, mais également sur ta télé. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans le Tropical Night Live Tour. Donc ce soir avec moi-même Anel et Dany aux commandes. Et pour la petite rubrique Tropical Girl, bon, mamie parle quand même de rubrique, même si Daniel a maintenant, on est bon, c'est pas la rubrique Tropical Girl, elle est pas grave. Mamie impose quand même ma petite rubrique. Et ben, c'est une rubrique un petit peu particulière, parce que ce soir, Ria ou Dani ou Kakumi ou Pao, donc ce soir, nous accueille une personne, mais très connue à La Réunion. Enfin, impossible de me dire, mais il connaît pas lui. Nous l'a tout ou tous entendu au moins une de ses chansons. Et voilà, m'y parle bien de Luciano. Bonsoir Luciano, ah, moi, ça va? Ah, ou même là, ou même Mikos, voilà. L'homme, c'est un homme. Oui, ça va. Bien, ah, ben, m'a fait où t'es intro, hein, où t'es attends pas tes deux, où t'es non, pas. Non, mais tout le monde connaît moi, comme pareil. Moi, je suis des rivières disparues, je sais, connais-moi. Ouais, mais il est là. Vous voulez quand même voilà, une image de la musique de La Réunion. Ouais, mais je vous dis. Tu crois où Anel, tu t'en dis ça oui. Dis Suzy. Non, mais oui, en plus, c'est vrai. Ça, c'est ma blague généralement avec Dany. Et justement, Luciano, nous accueillons Yao ce soir pour parler un petit peu de haut et parle aussi de haute actualité, hein, de ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et avant d'arriver à là, parle à nous un petit peu. Alors, qui ça où est où ça saute, depuis quand on est dans la musique. Donc, parle à nous un petit peu de haut. Moi, c'est Luciano Mabrouk, parce qu'on a bon pédi Mabrouk, c'est pas mal. C'est Luciano Mabrouk, voilà. Fait un maman chaudron, donc voilà, fait la musique, ancien footballeur, fait la musique avec mon groupe comme Zot. Donc, voilà, on a plus que ça. Hein. Producteur aussi, manager des artistes, d'artistes. Donc voilà, ouais, très, très, maman, il aime bien rigoler, il aime bien casser le cul, il aime bien rigoler. Et voilà. D'accord. Plus que ça. Et... oui. Voilà, ou reste d'autre simplicité, même si, voilà, il fait quand même un petit bout de temps, on fait la musique, non? Depuis ben c'est ça qui fait que, ben, il fait la musique depuis plus de 30 ans, mais comme ça, on a 31 ans, en fin de compte, 30 ans, parce que tu devais faire l'année dernière, 91, quel 91, mm-hmm. 91, donc tu devais faire en 2021, donc avec donc, le problème sanitaire, donc on la repousse pour cette année, mais bon, il fait un peu plus de 30 ans, il fait la musique, donc voilà, quoi. Et bien justement, on dit fait plus de 30 ans fait la musique. Moi, m'en a personnellement 32 ans et Nico Taou, donc ça veut dire que quand même, zot bonne chanson, il traverse les générations parce que ben, c'est plutôt la génération de mes parents. Ils m'y pensent à Nico Taou quand on a commencé la musique. Et voir que je vois du m'écoute. Et moi, m'y fait écoute aussi mes petits neveux, nièces, mon fils, etc. Donc, est-ce qu'on peut dire que justement, la musique que vous faites, depuis ces 30 ans-là que vous êtes sur la scène, qu'on fait des chansons, qu'on compose, qu'on mette en avant la musique réunionnaise, comment on a vu cette évolution-là et justement le fait de traverser ces générations, parce qu'on la commence en 91 et on rend compte qu'on a des gens que voilà, on a à peu près même année de carrière qui écoutent à quoi à l'heure d'aujourd'hui. Oui, ben, en fin de compte, mais bon, c'est la musique, c'est le reggae. Qui fait que, parce que le reggae, ce n'est pas un phénomène de mode, tout comme le malouya traditionnel, ce n'est pas un phénomène de mode, même si des fois le reggae est haut, des fois les bas, le reggae est moins grand tourneur, de moins le reggae est comme la meilleure, les vagues, pas de Fremont, des Fredson, mais il est toujours là. Quoi. Donc, il pense le voilà. Donc, il pensait beaucoup à cause de ça, parce que c'est la musique que m'il fait, la façon qu'il fait. Et puis, ben, me dit, une façon de dire que mon musique est comme le vin, moi, plus c'est vieilli, plus c'est bonifié. Donc, voilà, c'est comme le bon vin. Donc, voilà, et c'est pour ça, voilà, les gens pensent qu'on trouve dedans. Et puis, bon, mais ça a toujours fait des paroles, plus ou moins, me dirais, plus ou moins conscient, qui parle aux gens. Donc, voilà, un peu travaille de ce sens-là, quoi. Et puis voilà, essaye de trouver des belles mélodies. Et puis, mais pas laisse-moi aller dans la mode, comme ça, tu vas me dire, reste moi-même. Bien sûr, sans pas être borné non plus, hein, mais écoute ce qu'il fait, mais essaye quand même
adapté quand même parce qu'on a un public en face, il faut y adhérer aussi quoi. Donc, mm-hmm, essayer quand même d'adapter, mais tout en respectant mon inspiration. Ligne directive. Pour moi, c'est important. Et mes pensées, c'est à cause de ça que le Zafaitien, quoi, Kenya. Voilà. Et puis la passion, comme il dit, beaucoup de passion là-dedans, tu vois, c'est pas, nous, je fais la musique personnellement, nous, le couple, le gars dans le groupe, il fait la musique parce qu'il aime la musique. Avant tout, c'est ça, tu vois, avant tout, c'est l'amour de la musique qui tenait à nous. D'accord. Et après, ben, tout ce qui, c'est ça qui vient prime. Après, ben, voilà, ce qui gagne, mais tu vois, c'est vraiment l'amour de la musique et c'est ça qui fait que nous coupe la chose. D'accord. Et justement, pour arriver sur ces 30 ans de carrière, avant d'arriver à aujourd'hui, moi, j'aimerais quand même qu'on explique à moi c'est quoi le fondement, de Comzot. C'est quoi la fait que l'a existé à partir de 91? Pourquoi le reggae? Pourquoi pas autre chose? Et comment ou l'a su justement adapter à où? Parce que là, il y a eu l'évolution depuis 91 jusqu'à là maintenant, 2022. Les mêmes supports, c'est pas la même chose, pas la même exigence. Mais pour l'adaptation, c'est suivre. C'est pas la SAO, en fin de compte. C'est toujours intéressant ce qu'il fait, ce qui sort en termes de technique, en termes d'évolution. Voilà, moi, mais toujours dedans, ce niveau-là. Ou inspire aussi un petit peu des nouvelles mouvances pour pouvoir. Mais a la chance de pouvoir travailler avec des jeunes. Avec qui il donne et avec qui il prend et qui il reçoit. Donc, pour moi, il est important d'être connecté avec ces. Parce que moi, je considère que je ne connais pas toutes. Les bonnes jeunes, on a aussi d'autres expériences, on a aussi d'autres goûts musicaux que moi, ben, nous échange. Moi, j'ai toujours été comme ça. Même les anciens, moi, j'ai beaucoup travaillé avec les anciens aussi quand j'étais plus jeune. Là, c'est un peu l'inverse. Moi, je suis plus ancien et voilà. Et je veux dire, c'est que vous ne restez pas sur qui, en fin de compte, vous ne restez pas sur ce que vous l'avez fait ou ne pas refaire ce que vous l'avez fait avant, en fin de compte. C'est souvent, m'a fait un morceau comme ça, il faut me refaire un morceau comme ça parce qu'il marche. Non, parce que la marche, non. Et souvent, les gars disent, on ne fait pas un morceau comme. Mais non, moi, c'est mes respects, mon inspiration. Mais il fait ce qui arrive, mais il travaille, mais il essaie de mettre. Parce que Domoni, voilà, quand même, fait Domoni, aime toi. Mais il ne veut pas refaire un morceau que la marché avant. Mais déjà, il ne m'a jamais repris mon morceau. D'accord, parce que voilà, pour moi, un morceau est sorti, il est sorti. Quoi, tu vois, mais une fois, on m'a repris un morceau, mais c'est pour un compil, c'est pour comme notre famille. Mais sinon, il ne m'a jamais repris un morceau à moi. Quoi. Donc, voilà. Donc, un morceau est sorti, il est comme ça, il est bien, il n'est pas bien, mais il est sorti comme ça, il reste comme ça. Et comme si vous. Comme si vous faites un enfant, dit, voilà, les vies, voilà. Voilà, les comme si vous faites un enfant, dit, bon, mais on fait, mais vous comptez pas, mais on fait à vous. Mais non, tu vois, les grandis, il fait son bout de chemin, donc moi, les comme ils ça, sont... ça, c'est façon de voir la musique. Donc voilà, quoi. Donc, non, l'instant présent est important. C'est bien, justement, parce que moi, elle a pu lire un petit peu ce petit dossier que la donne à moi, justement, sur Luciano, sur Comzot. Ah, il y a un dossier sur moi Ah oui, il y a un dossier sur moi. Connais des choses, voilà. Et justement, m'y voit que vous avez eu l'occasion de faire, notamment un concert de reggae philharmonique. Parle à moi un petit peu plus de mais ça, ce projet-là. Ça l'était un peu de mon, je me dirais pas mon rêve, parce que c'était un peu de mon bon but. Parce que pareil, pour durer, il faut mettre au bon but. C'est pour ça qu'on parle de se renouveler, de trouver des projets. C'est pour ça, c'est pour ça nous sommes encore là, parce que nous avons toujours innové. Mais ce projet-là, il était dans mon tête toujours. Mais le moment, en fin de compte, pareil, c'est comme si on attend le moment opportun, quoi, ça fait qu'audité, là, le fruit est mûr, là, on a cassé, tu comprends? D'accord, la mûrie, m'a discuté avec les gens et tout. Et après, à un moment donné, comme dit mon âme, les planètes étaient alignées, m'a dit, ah non, fais-toi, m'a trouvé des gens, elle m'a dit, allez, bon, tac, 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 tout était là, de bonnes mounes pour filmer, tout était là, parce qu'en fait, en même temps, tu t'en fais un documentaire sur comme ça. C'est ça, donc voilà, documentaire sorti, voilà. Donc ça paraît, ça par contre, madame m'a toujours voulu ça. Elle me dit, bon, il faut Miguel faire un documentaire sur le groupe. Enfin, Miguel fait un documentaire sur le groupe, ça m'a griffé. Et en même temps, des personnes n'étaient là. Et le projet philharmonique l'est monté. Elle m'a trouvé des gens. Elle avait un musicien avec moi.
Aldo Lodou, qui c'est un professeur de musique, qui joue avec moi. Donc, ma cause avec lui, mais tu veux faire ça avec au départ avec comment on appelle ça? Avec Léma de Saint-Leu, mais après, ben, l'un dans l'autre, la causer, là. Et puis, elle propose à moi les enfants de l'école, comment on appelle ça, Louloupitou, Saint-Denis. Et puis, même là, la manette m'a parti voir, et puis, ben, elle a dit non, m'a trouvé Aldo, justement, moi, dans le dos, mon clavier, de le temps. Et puis, elle a dit, moi, non, c'est trop compliqué, tu vois. Elle m'a croisé avec les professeurs, de moi, ça, c'est trop compliqué, tu vois. Et puis, l'un dans l'autre, elle a dit, ben, t'es là, donc, la cause de ton professeur, ben, tout était d'accord. Et puis, on a discuté, et puis, l'affaire est montée comme ça, elle a fait assez vite, quoi, tu vois. Et puis, D'accord, ok. super, parce que la guerre immortalisée les affaires. Donc, voilà, non, et puis, voilà, le projet, l'a monté assez vite. Elle n'a pas gagné, répète beaucoup, mais voilà, elle fait du Magen fait répète un peu quelque chose casse-casse. quand même. Oui, un peu casse-cassé, mais bon, comme nous, comme ça, tout est connu, nous, tout à fait. Parce qu'elle a joué sur nous, bien sûr, là, ce que nous l'a créé. Et après, Jean-Luc Trulès l'a fait les arrangements pour l'orchestre. Et puis, il a donné D'accord. partition, puis il fait. C'est comme ça, quoi. Super. Bien, bien, bien. Bien, voilà. Bien, mais je pense qu'on a Et bien belle réussi. aventure du coup, justement de ce reggae Harmonique, philharmonique. harmonique, enfin, c'est philharmonique. Il est vrai que il n'est pas commun quand même de Mais proposer ce genre de projet. à Comment les l'époque, gens à l'époque. l'a reçu ça? Ah, mais les gens étaient très, très, très bluffés, étaient étonnés parce que. Ah bon, ça fait ça, tu vois, parce que. Il faut savoir que un groupe, moi, à l'époque, on n'avait pas le souvenir qu'un groupe fait ça. Même D'accord. sur le plan international, hein, on n'avait pas le souvenir. Mais la veille des passages d'un groupe, d'un chanteur de reggae dans une soirée, toi, mais un concert, moi, personnellement, on n'avait pas le souvenir qu'un groupe fait ça. Donc, D'accord. ben moi, la guerre fait aller, nous l'a fait aller. Et puis, c'était vraiment un projet vraiment nouveau, quoi, en fin de compte, toi. Et nous, la guerre fait ça, nous, la guerre D'accord. immortalisée. Et puis, voilà, toi, même les professeurs, des pas les professeurs qui l'ont joué, le reggae, tu pensais pas que tu pouvais faire. Après, il me dit, ben, c'est Il la pouvait musique, hein, faire. c'est la musique. Non, Et puis, nous, la c'est vrai musique, que quand même, là. Mais la musique quand même est prête à ça aussi parce que quand même C'est bon, pas ça. mal d'armes voilà est prête à ça aussi donc voilà Jean-Luc Trélat ça c'est super bien travaillé aux bons arrangements classiques et puis voilà c'est parti comme ça Alors, et justement, avant on oui, poursuit Daniel, oui. Anel justement donc on a un petit message arrivé hein, on a des petits messages également donc justement on salue quand même Diana. Diana qui dit justement donc Noël Richard était le manager de Komzot. Oui. Voilà, c'est ça. Et... Voilà, donc on salue quand même ben, justement Richard également, hein, donc qu'elle était Oui, manager ouais. également. Donc voilà, salut Monsieur Diana. Richard. Voilà. Également, donc on fait un petit tour sur la page Instagram. Également, donc on salue quand même Ingrid qui regarde aussi la télé pour ce soir. Le Facebook Live également. Donc voilà. Vas-y, c'est bon. Ok, très bien. Alors, du coup, justement, on disait tout à l'heure qu'elle a eu l'occasion d'immortaliser un petit peu ce projet-là et m'a vu justement sur le dossier que m'en est là qu'elle a eu un Ouais. petit film documentaire. Donc, comme Ouais. ça, ni plus ni moins. Parle-nous un petit peu de ça, qu'il a participé, en quoi elle a consisté ce film documentaire. Mais en fin de compte, il fallait. C'est réalisé par Eddie Abidi. En fin de compte, moi, j'avais ce projet-là depuis quelle année, mais Malavé propose ça, justement, comment, la Nawar, l'entreprise Nawar, de Vidya Nawar. Elle m'avait causé avec le responsable, à discuter, mais l'arrêt a dormi dans le tiroir. Mais parce que, voilà, mais pense que personnellement, t'es pas aussi le. Mais pense pareil, hein, moi, mais pense que c'était pas le moment. Mais à un moment donné, l'un dans l'autre, il a commencé à causer de ça. Et il avait justement Idi Abidi qui était là. Idi Abidi, celui qui a fait le film, c'est le réalisateur. Il a dit, intéresse à lui. Donc, ben, a dit, il est bon, ben, a travaillé dessus pour des moyens. Et puis, il fallait trouver comment on appelle ça, la langue, toi, langue de tir. Parce que, ben, il avait pas mal de choses par rapport, il avait pas mal de choses à parler. Mais,
Et Didi là apprend les événements de 91 quand de Chaudron. C'est là, c'est Midi toujours, c'est là nous l'aîné. Et ces vestiges là, Midi, quel est l'aîné. Et donc il apprend ça comme comme angle de tir, et puis il a fait son le documentaire, il est parti de là en fin de compte. Voilà. D'accord, et dedans, c'est les, c'est mais dedans il y a un peu toute bonne monde que m'a travaillé avec, m'a rencontré dans mon carrière musicien et même de producteur. Donc, Devisica, Alain Tigo, Kaf Malbar, bah, tout ça, maintenant, elle est dedans, quoi. Frédéric Mayouin, James, voilà, c'est Gatitoire de Simon Gavol, enfin, il y a pas mal de monde beaucoup dedans. Beaucoup de personnes avec qui vous avez eu l'occasion de collaborer. Et Nena, Nena aussi, Al Griffiths, des Gadiators, un Jamaïcain. Mm-hmm. Parce qu'en 2004, nous avons fait la tournée des Gadiators en métropole, toute la France. Et il a sympathisé. Mm-hmm. Donc, il est aussi dans le film. Il a même fait un feat avec moi sur l'album Fin mm-hmm. en 2007. Et puis, dedans aussi, mm-hmm. il y a James Daniel Manger. James Daniel Manger, c'est un ancien des couleurs de la mort, un compatriote de mm-hmm. Nelson Mandela, que je l'ai rencontré en Danemark en 2008, mais quoi. En 2008, il a sympathisé. Et puis, il est venu à la Réunion. Et puis, voilà, entre-temps, on était en contact, mais pas régulier. Mais pendant le film, il était là, il a causé, puis il a dans le film, quoi, tu vois. Donc, avoir des personnages comme ça dans le film, pour d'accord. moi, il est important, parce que c'est un film musical, social, quoi. C'est pas que la musique, c'est tout le côté c'est social. C'est un souvenir aussi. Ben ouais, il immortalise le souvenir de toutes les voilà, personnes avec qui il a pu. Voilà, il m'a. Ben oui, il immortalise le on l'a fait comme notre passage musical en fin de compte. Il y a aussi mon ancien producteur Discorama, donc voilà, on a pas mal de monde. Dans 52 minutes, quand même, on a fait plus de temps. Ma maman aussi, hein. Maman aussi cause rarement, mais maman aussi est dedans. Donc voilà. Alors, justement, m'y voit aussi que l'a eu un petit concept un peu particulier pour la sortie de l'album Comme Zod 25. Oui. Est-ce que Guy raconte à nous un petit peu cette sortie d'album-là, un petit peu spéciale? Mais en fin de compte, pour les 25 ans de Comme Zod, m'a voulu, comme s'il fait un cadeau, quoi, m'a voulu Off the Moon, tous les mois, Off the Moon, un morceau. Et ça, le morceau était sur, on était posté ça sur notre SoundCloud, sur Internet. Et de monde, il était téléchargé gratuitement. Donc, voilà, l'album, il appelle Comme Zod 25, Net Album. Pourquoi Net Album? Parce qu'il n'a pas sorti en physique, il a sorti sur Internet. Donc, d'accord. voilà, donc l'album existe comme ça. C'est un album, justement, pour les 25 ans. Et justement, nous t'es pour parler d'adaptation, mais c'est en quelque sorte, cette sortie d'album est en quelque sorte aussi une adaptation au nouveau support qui existe dans la musique de nos jours, parce que les albums maintenant. C'est vrai. Et même les voitures, les motos, les ordinateurs, elle n'a plus de lecteur CD. Donc, on a fait voilà, tout le channel. Non, mais voilà, la évolue, on va dire, la musique, l'écoute aussi. Et il peut être une bonne chose comme une mauvaise chose. Parce que, oui, de toute façon, en réalité, quand on sort une chanson sur Internet, on cible aussi plus, un public un peu plus large. Mmh. Il y a tellement de monde que aussi pas personne des fois. Des fois aussi on tire dans le vide. On tire à blanc. Voilà. À moi, tant que nous aura la scène, voilà. Après, si on a la scène, parce que si on n'a pas une scène, là, il devient difficile. Là, pour moi, c'est plus de la musique. Parce que la musique, pour moi, est vivant. La musique, c'est une affaire, ils vivent, une affaire, ils partagent. Mmh. Et fait la musique seulement sur mettre sur Internet. Pas intéressant quoi. Ben justement, ou parler de ça, parce que bon, les chanteurs, les chanteuses, enfin, les artistes, là, tu adaptes ouais. l'azote pendant le confinement, pendant les temps où tu ne peux pas faire de spectacle, de faire plutôt des concerts connectés, ce genre de trucs. Quoi on pense de ça ou? Est-ce qu'on pense qu'on a un avenir vraiment, ce genre de concert, ce genre de concept? Non, c'est un concept. C'est un concept, mais personnellement, moi, même je veux jouer la musique devant le monde, quoi. Il faut vraiment une interactivité parce que jouer devant deux caméras,
pas pareil, quoi. C'est, pour moi, c'est fonction, mais Ouais, c'est n'est pas une pas affaire pareil. qui râle à moi, quoi, tu vois. Comme Medium m'a lavé, justement, mais quand 2021 ou 2020, elle a fait la fête de la musique, moi, là, j'ai pris une radio. Mais la radio, t'es fait en direct, tu vois, en direct sur Facebook. Et ma chanson, mon morceau, m'a oublié de demander bonjour parce que pour ma Ah oui, petite bah scène, Wamba de quoi, tu vois. Mundo Un peu, ah, un peu éduqué, voilà, c'est ça. Non, mais pas pareil, quoi. On sent, en plus, le pire, c'est qu'on n'entend pas d'autres en plus. Et de monde, chacun de Ben, c'est son ça. côté, chacun de son cadre. Non, c'est pas, pour moi, ce n'est pas une bonne chose. C'est une Ben, solution, mais ce n'est pas c'est la une solution solution, à un quoi, tu vois. problème à La solution, c'est instanté, mais voilà. voilà. Voilà, la solution, c'est en salle, public, ou gay, voilà, ou arrête, on entend d'autres crier, on entend d'autres Voilà, venez siffler, on entend d'autres trucs, quoi, tu échanger vois. aussi. Oui, voilà. Pour moi, c'est ça la musique, quoi. D'accord. Comme on dit toujours, la musique, c'est un partage, tu vois. D'accord. Et justement, du coup, nous arrivons tout doucement là à cette année, enfin l'année dernière même, où le groupe a fêté les 30 ans. Donc, avec la crise sanitaire, bon, l'a pas forcément passé comme zot tes vœux. Et l'a émergé également un comme zot 30. Donc, dis-moi un petit coup, parce qu'il avait comme zot 25, comme zot 30. Excusez-moi du mauvais jeu de mots, mais il est presque comme le Covid, là. Il n'y en a plusieurs variants. Non, on était avant, donc COVID Ah, copie chez d'accord. nous. Mais nous, Il est c'est une venu, il est affaire. venu. Ah, ben, nous, c'est avant. Mais nous, c'est une affaire sain, plus agréable. Donc, D'accord. COVID n'est pas agréable. Tombe C'est malade, pas COVID. grave, À c'est nous, pas tombe malade. pareil. À nous, donne le sourire, nous Voilà. donne l'amour, nous donne la joie. Non, Vaut mieux et ben justement, le attraper vaut comme mieux ça gay comme 30 que zot 30 que gay COVID-19. COVID-19. Et Ouais, justement, dis-nous un petit oui. peu comment les gens ils peuvent attraper cette maladie, comme nous peut dire, de comme zot 30. Parle-nous un petit peu de ce Ben, projet-là. en fin de compte, déjà, il vient sur toutes nos bonnes pages, hein, Instagram, comme Zot Reggae, 974, comme notre officiel Facebook, pour les suivre, et puis notre page YouTube. Mais surtout, il faut aller bien au concert. Donc, parce que ce projet-là, en fin de compte, voilà, le projet-là, vraiment ce projet-là avec un ami de 30 ans. Comme ça, 30, tu Ah. vois, il a mis 30 ans. En fin de compte, ce moment-là, c'est Réo. Réo, c'est Réo One, c'est un peintre. Et nous étions sur le banc à l'école ensemble. Et en fin de compte, D'accord. quand on était en classe, Ali Titon fait son bon dessin, et à moi, Titon, et le prof dit, qu'est-ce que ça nous fait? Non, mais il a fait rien, tu vois. Donc, voilà. Et voilà, nous là, et comme un monde comme ça, il me dit, évidemment, c'est moi qui ai un groupe. Ah, moi, là, là. Donc, voilà. C'est donc Réo. Et là, nous, là, depuis, avant COVID, m'avait parti un vernissage que lui avait fait, une exposition. Et puis, voilà, tu connais déjà, il était fait la peinture. Mais après, pendant COVID, justement, on était en contact par Messenger. Et puis, il avait un projet avec Kouli Alokia. Kouli Alokia, c'est l'association qui vient en aide aux sans-abri, aux personnes démunies. Avait un projet cool à le cœur qu'il n'a pas fait. Et puis, il pourquoi? T'es pour échanger. Il a déjà moitié, on fait ensemble. Et il me dit, ouais, ben, il pense que moi, ma propose à lui, fait nous la propose à nous ensemble, la cause, a vu qu'en fin de compte, il est sorti que mon album qui doit sortir sous peu, j'espère, bientôt, album dans le cadre des 30 ans de Komzot. Donc, madame, maintenant, les textes. Les textes, on demande les titres, on demande des titres, et il y a un collectif d'artistes qui s'appelle Dallon la peinture. On demande les titres, et D'accord. les bonnes artistes, chacun a choisi un titre, un ou deux titres, et ben elle a fait une œuvre. Elle a fait un tableau, ou sinon une sculpture, ou sinon en photo. Ouais. Mais sans la musique, sans le texte, rien. C'est seulement avec le titre de l'album, le titre des chansons, ben elle a fait. Comme ça, le titre L'exoté expire azote. inspire Voilà, du titre. azote. Voilà, Du titre l'exoté que inspire tu as azote choisi. titre. Déjà D'accord. choisi. Et crois-moi, un joli tableau est sorti. Et comme on a demandé à l'autre, ah, dites-moi ça, dites-moi ça, il rit parce que c'est ça, c'est exactement ça. Il me dit, non, 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 ne me dis pas ça. C'est voir quoi, la même sortie, ils ont aussi devant de découvrir. On m'a découvert ce tableau. Et donc, du coup, on a du joli Ah. tableau, il a un effet sculpture avec la récupération. Et Mr. Way, il est vraiment super, quoi, toi. Après, nous, on a des super, super peintres dans cette équipe-là, dans cette équipe talent la peinture-là, des gars-là, talent sérieux.
Et puis, nous avons aussi des filles dedans, on a 3 ou 4 filles. Donc, voilà, ce n'est pas que l'équipe de Boog. 3 ou 4 filles, et Naïn vient de rentrer, il n'y a pas le petit flou à papier. Il fait flou en papier, quoi. Tu vois, c'est super le travail qu'il fait. Donc, voilà, c'est une super équipe de peintres. Hein. Et puis, ben, nous mettons nous la musique, et puis, Kulia Lokia sera le côté solidaire. Donc, c'est ce que on a de monde savoir. Elle a fait un premier expo en novembre à la Friche au Port. Donc, l'exposition a été faite à la Friche au Port en novembre. Mais le concert n'est pas fait parce que moi-même, j'ai eu COVID. Donc, voilà. On n'a pas fait le concert en novembre. Et le concert, il fait là le 9, okay. le 9 avril. Mais par contre, ben, on a la tenir à quand même amener 3 œuvres de l'expo. Donc, sera exposé dans le Cabardoc. Donc, une dizaine de tableaux sera exposé au Cabardoc. Tableaux et sculptures sera exposé dans le Cabardoc. Et puis, il y en a aussi Tifou le papier, va faire aussi un lustre, hein, mais qu'il n'est pas bien, qu'il ne pas trop que ça fait. Donc, voilà. Donc, Banda aussi sera là. Et puis, le matin, du 9 avril, le matin, Kulia Lokia va faire un maraude. Donc, on va proposer aux gens, aux sans-abri, aux personnes démunies, de quoi faire d'autre, de faire d'autre la barbe, c'est pour ça qu'on a la boue pour les bonnes bonhommes. D'autre, un kit de propreté, un truc comme ça, quoi, de savate, un truc comme ça. Donc, voilà, le matin du concert. Mm-hmm. Et puis, nous la décide, en plus, là, la pute passe sanitaire. Donc, ça sera super. Nous la décide, invite ces gens-là au concert le soir. Pour ça qu'ils venaient, quoi. D'accord. Donc, voilà, ces gens que là, ben, a beaucoup m'y connaît, qu'elle a jamais rendu une salle de concert, bien ils rêvent, ou bien là, elle a longtemps pour quoi rentrer. Donc, on invite les autres à venir avec nous, vivre avec nous normalement, des petits quoi, des petits pas bien fait, tout ça. Ils vont venir avec nous, ils vont faire le concert avec tout le monde, comme ça, ils vont vivre avec nous, quoi, toi, et pas mis de côté. Donc, pour moi, ça va être très important. Les vrais, fait bon, un petit coiffe, tout ça, mais, amène Bona jusqu'à le concert pour moi être délé encore plus super quoi, un toi. Petit peu voilà. De joie aussi voilà toi vive voilà c'est un ce samedi soir là si Bona est venu de venir au concert puis il doit vivre un super moment avec nous et pour moi ça est très important parce d'accord. que comme dit toujours hein, c'est des gens que nous voit plus il faut nous voir bonne Bona surtout dans l'ami pense qu'elle sentait un peu dans la difficulté mais Bona est toujours dedans quoi toi les tristes et nous amène de monde à jouer là, quoi, tu vois. Alors, avant de terminer, avant de clôturer, clôturer cette interview, d'ailleurs, il y a un appel sur le standard. Allô? Oui. Allô? Oui, bonsoir. 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 Oui. Ça va ou même? Ben oui, à moi, ça oui, va. Oui, ça va. Oui. Alors. Ça a plu un petit peu dans les bas, mais sinon. Les bons. Non, les bons alors. Bon, ben c'est cool alors. Ah, cool. Alors, on veut passer un petit message en direct à la télé et radio? Oui, c'est pour dire au chanteur Luciano. Ouais. Continue comme ça, les bien même. Ah. Merci. Oh. Ben, ça traverse vraiment les générations, Luciano. Ah hein. oui, ouais, mais puis tout jeune. Mais en tout cas, merci. Fait... Sinon, les m'écoute à fait plaisir. Ah, mais super, fait plaisir. Fait plaisir d'entendre mon jeune comme ça, il écoute à nous. Quoi, toi, et ça a fait la pointe de... Voilà, allez, trop d'os, ça. En tout cas, merci, on t'appelle. De rien. Ok, super. Mieux de Johnny, écoute, ou bonne chanson. Hein? Même. Ouais, mais pense, moi, il pense aussi. Oui, écoute, là, mais pense d'autres aussi. Nanana, d'autres monnaies, écoute. Oui, allez, bonne soirée. Allez, bonne soirée, Ao. Merci, Ao aussi, bonne soirée. Soirée. Merci beaucoup, t'appelles. Allez, merci, allez, ciao, bye bye. Allez. Allez, bah, en tout cas, nous clôturons là-dessus. Nous retrouvons Ao, donc Luciano de Comzot. Oui, donc, Miles, Anel, conclure l'interview. Mmh, oui. Oui, alors Luciano, donc oui. Du coup, donnez à nous la date du 9 avril. Donc, est-ce qu'on a d'autres dates prévues très prochainement? Donne-nous un petit peu d'informations. Oui, Nena, d'autres dates. Et où ça, tu peux avoir les infos? Pour le mois prochain, d'autres dates, les presque calées, mais je préfère que les signer avant.
Mais si les infos, tu trouves ça sur notre page Instagram, hein, comme Zot Reggae, comme Zot 974 Reggae. Tu peux trouver Lucien Ben à mon nom, de toute façon, Lucien Omabrook. Mm-hmm. Tu peux trouver ça sur notre page Instagram et même sur Facebook. Et donc là, nous démarrons, c'est le premier date, là, le 9 avril, Cabardoc, samedi. Ce sera le premier date, donc j'espère qu'on aura beaucoup de monde. N'hésite pas, les billets, les pas chers, c'est 8 euros, micro, oui, pas micro, c'est 8 euros sur monticket.re, donc c'est vraiment pas cher. Donc profite, on les a fait en pré-vente parce qu'au guichet, c'est un peu plus cher. Donc voilà, les vraiment, c'est vraiment important que le monde y vient parce que ben là, on a envie de défouler, quoi, on a envie de s'amuser. Dans une période d'une sorte là, il faut nous reprendre un peu la joie, il faut nous reprendre un peu la musique, défoulant quoi. Défoulant un peu quoi, donc voilà, mais c'est le monde. Oui, arrête. rapidement, déjà, rapidement, peut-être c'est un appel pour d'ailleurs, ça va sur le standard. Allô? Comment il est mal élevé? Allô? Allô, bonjour. Oui, ça va au même? Oui, en fin de compte, je veux dire, j'ai des belles choses à dire en fin de compte. Et oui, je respecte des belles images en fin de compte, ce que Zot fait en fin de compte, c'est-à-dire. Ouais. C'est la musique télécréole. Mm-hmm. Je suis bien sur le télécréole, en fin de compte. Ouais, oui, vous voulez bien sur le télécréole. Allô? Mm-hmm. Oui, allô? Ne écoute à haut. Oui, je t'écoute en fin de compte. J'ai l'ambiance en fin de compte. J'aime bien de vivre. Sur la fréquence que vous êtes ici, en fin de compte, c'est-à-dire, il y a des choses à dire, vous voulez dire, il y a des belles choses à dire. Ok. Quelqu'un parlait en fin de compte, vous me dites que le gars, en fin de compte, c'est-à-dire. Ah, là, ça devient un petit peu agaçant. Alors, nous coupons parce que du coup, on ne peut pas entendre cette personne-là. Merci en tout cas, Luciano. Un petit peu mal. Merci en tout cas, Luciano. Merci beaucoup, Luciano. Merci. Et merci à Zot pour l'invitation à ce moment-là. Donc, ouais, hein, donc Anaïs, Dany, Dany. Dany, et Anaïs. Il réinvente notre bonne prénom, lui. Oui, aussi quoi, Anaïs, Anaël. Anaël. Anaël, ouais, bon, je sais pas. Bon, Anna, alors, Anna et Dev. Ah, ben voilà, Anna et Dev, voilà. Voilà. Ouais, donc merci à Zot, hein, Télécréole. Et puis voilà, hein, midi de mon rendez-vous, samedi là, le 9, Cabardoc, nous va craser, nous va sortir de Covid là. Hein. Comme ça, 30, c'est pas Covid. Bon. Merci en tout cas. Allez. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, allez. Allez, nous retrouvons. Merci. Bon courage pour samedi prochain. Allez, nous retrouvons. Merci. Merci beaucoup. Aoufou, viens sur moi. Quelle famille va dire. Ouais, c'est ça. Tu crois où? Oui, là, tu t'ennuies pas, bataille. Allez, merci en tout cas, Luciano. Nous sommes sur le. Merci, nous retrouvons. Allô? Oui, bonsoir, c'est Télécréole? Oui, Télécréole. Oui, bonsoir. C'est pour la dédicace, en fait. Oui, vas-y, mais écoute, Aoufou, de dédicace. Voilà, c'est Carole du Tempo. Oui. Ben, je demande je voudrais un petit bout de chien, dit madame Tisson sur Clara. Un petit morceau Clara. Alors, pour ce soir, il ne pourra pas. Mais j'ai remonté sur la loi, mais tu connais Clara, la jolie chanson. Ah. Mais il ne connaît pas trop tout ça, la main. Ah, bah écoute. Un petit bout de chien, maman, mais Clara. Ah, partout. Il ne pourra pas passer le morceau de Clara, mais en revanche, il ne pourra pas passer. Je connais le mercredi, là, tu sais, jeune, le Sylvain, là. Comment est fêté, il est difficile de la ligne. Ah, bah oui, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi. Malaté en direct avec lui. Ouais. Et il y a des moins un peu que la réaliser, en fait. D'accord. La prend le temps, par contre. Ok. En tout cas. Il a réalisé, mais un joli garçon. C'est un chinois. Ah, ben c'est cool. Alors, en tout cas, mes remerciements pour le petit message. Ben après, bref, au fait. Ok, c'est bon. Mais voilà, mais moi, là, peut-être tous les mercredis, mais c'est Jean-Ali, Ok, essaye Jean-Ali. En tout cas, il souhaite une très très bonne soirée. Il est déjà 21h, passé de 1 minute en direct à la radio et télé également. Allez, c'est parti. Nous fait un petit rappel de Jean-Ali avant de retrouver Valérie Tribord en interview pour ce soir. Oui, bien sûr, un petit rappel de jeu, hein, le jeu Night. Si vous souhaitez en remporter 100 euros chaque dimanche, donc il faut jouer, il faut envoyer le mot Night, donc N-I-G-H-T.
N-I-G-H-T par SMS au 80-90. Comme on disait tout à l'heure, il faut partir jusqu'au bout du jeu. Donc surtout, si vous voulez qu'on puisse vous rappeler, il faut laisser vos coordonnées. Donc tout à l'heure, on a eu un gagnant, mais qui a malheureusement pas laissé ses coordonnées. Donc voilà, laissez vraiment vos coordonnées si vous voulez tenter de gagner en tirage au sort, donc 100 euros chaque dimanche. Voilà, il faut envoyer le mot night par SMS au 80-90. Et également, on est dans notre jeu, Annelle. Ah oui, ben oui, parce que depuis tout à l'heure, on ne parlait que de ce jeu-là. Mais effectivement, un Tropical Night Live Tour, il propose à Zot encore et toujours des séjours. Et là, on a un séjour de 3 nuits pour 2 personnes, avec petit déjeuner inclus à l'hôtel Le Floralis. Donc pour cela, il faut envoyer le mot Floralis par SMS au 80-90. Donc Floralis par SMS au 80-90. Merci voilà. En tout cas, Annelle, pour le rendez-vous jeu de ce soir. On salue quand même Lardy du côté de la page Instagram également, qui suit l'émission depuis tout à l'heure. On accueille Valérie Tribord donc, pour ce dimanche soir. Salut Valérie. Bonsoir Dany, bonsoir Annelle, bonsoir du coup à tous les internautes, les téléspectateurs, les auditeurs. Bonsoir. Ah bah bonsoir, hein. Comment il dit hello sunshine. Hello sunshine, la réunion. J'adore faire les jeux de mots. Comment il est. J'adore faire les jeux de mots, en tout cas. Alors, on va faire un petit zoom à zoom, Valérie, avant de démarrer cette interview de ce soir, que ça lui dit, hein. Alors, c'est parti, le zoom à zoom de ce soir. D'ailleurs, donc, avec qui tu aimerais être coincé dans un ascenseur? Et c'est du tac au tac. Avec mon chéri, pour le coup. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est cool. Si t'étais... C'est cool. C'est la première qui nous parle de son chéri. Non, je rigole. Tout le monde veut être dans l'ascenseur avec des stars. Oui. Des stars, mais... Et... Voilà. C'est ça. Si t'étais présidente de la République, quelles seraient tes premières mesures? Alors, du coup, il se trouve que je suis une artiste. Alors, je pense que... je prendrai certainement des mesures pour les nombreux artistes qui ont certainement besoin de beaucoup d'aide et d'être peut-être un peu mieux encadrés. Alors c'est vrai que c'est peut-être un peu ciblé, mais voilà, ce serait certainement ça. D'accord. La personne la plus célèbre que tu as dans ton répertoire téléphonique? Oh, il y en a pas mal, mais je travaille avec le DJ Bob Sinclair, alors je dirais Bob Sinclair. Ah, ben on veut son numéro, nous. Hein. On veut son numéro. Non, je plaisante. Si tu avais la clé d'un restaurant le temps d'une journée, que ferais-tu? Dans un restaurant, je ferais certainement la cuisine et je profiterais certainement de toute la logistique, de façon à préparer certainement de bons mets. Ah, ça c'est bien. La prochaine, je vais rajouter. On vient manger. Oui, c'est ça. Je vais rajouter ça en fait. On vient manger nous. On aime bien nous. Les spécialités de ton coin, moi j'aimerais bien goûter. Très bien. Du coup, je suis de la Guyane, alors je préparerai certainement de bons plats de chez moi. C'est cool. Annelle aime bien voyager, elle. Donc. Il faut bien. Ah, moi, j'aime bien voyager, mais j'aime surtout bien manger. Oui, c'est ça. C'est important. Et tu restes toujours élégante, ça, c'est bon. Une mauvaise habitude. Une mauvaise habitude que tu aimerais en débarrasser. Une mauvaise habitude. Oh là là. J'ai pas vraiment de mauvaises habitudes. Alors, je dirais peut-être que comme je suis quelqu'un de très réservé, peut-être un peu plus me lâcher dans certaines circonstances. D'accord. Ton petit coin de paradis? Chez moi en Guyane. Chez toi en Guyane. Si tu as plus batterie sur ton téléphone, quelle est ta réaction? Oh, ça dépend du moment. Si j'attends un appel urgent, à ce moment, je serai vraiment très embêtée et très agacée. Mais s'il n'y a rien de particulier, j'attendrai juste le temps de pouvoir le recharger un peu plus tard. D'accord. Une mode qui t'agace? Oh là là, il n'y a pas de mode qui m'agace en fait particulièrement. Je trouve que chacun fait un petit peu comme il veut, donc ça ne m'agace pas forcément. Ok. Quel est ton fond d'écran de ton smartphone?
Alors, j'ai la photo de ma fille. Ah. Et la dernière question. La personne célèbre que tu aimerais rencontrer. Alors, j'aimerais beaucoup rencontrer Alicia Keys. Nous nous sommes croisés sur un plateau TV il y a de cela quelques années, mais la rencontre n'a pas opéré. J'aimerais beaucoup parce que c'est une artiste que j'aime beaucoup. Ça, c'est bien. Donc, du coup, sur mon répertoire téléphonique, je vais mettre Valérie Tribord, donc la personne la plus célèbre de mon répertoire. Ah bah oui, bah oui, attends, hein. Au moins si on a Alicia Keys, si on a Bob Sinclair, si on a pas mal de contacts, on va passer par Valérie Tribord. Non, je plaisante. En tout cas, merci pour le zoom à zoom de ce soir, Valérie. Place à... En tout cas, je suis ravi d'être, je suis vraiment ravi d'être parmi vous ce soir. Vraiment. Ah bah écoute, mais merci en tout cas hein, de. Ah bah on est ravi de te rencontrer. Ben merci de me recevoir. Il y a pas de souci, hein, on est chez nous, on est chez toi, on est chez Annaëlle, on est chez moi, donc. Voilà, on est chez tout le monde. On est chez tout le monde. Formidable. On est chez tout le monde. La magie du Zoom. Ah, oui. Ben ça c'est cool. Alors du coup, oui. Valérie, donc originaire de la Guyane, c'est ça? Exactement, tout à fait. Tout à fait. Alors, deux secondes, peut-être un appel sur le standard. Attends, allô ? Allô, oui, en fin de compte, c'est à dire. Oui, bonsoir. En fin de compte, vous êtes ici à Belle Rochard, en fin de compte, de la Belle Fricot. C'est-à-dire que j'aime écouter la Belle Fricot. Ouais. Oui, en fin de compte, c'est super. Parce que vous êtes animé, en fin de compte. Il y a des belles choses, en fin de compte, c'est-à-dire j'ai des choses à dire, en fin de compte. Alors, bah, ça sera. J'ai écouté. Ouais. J'appelle Antoine. Ok, Antoine. Antoine de Saint-Benoît. Salut, Antoine. Antoine. Oui, salut. Je le respecte pour la fin particulière à nous, mais je me pense que j'ai des belles choses à dire. Alors, on a du mal. Les super, je me pense que j'ai dit des belles choses. Et Max, si quelqu'un me dit, je me pense que j'ai dit. Il y a des belles images en fin de compte, c'est-à-dire, il y a des gens qui ont du bon, il y a de l'amour et il y a de la joie en fin de compte. Ils sont plus gentils en fin de compte, c'est-à-dire. Alors, non, on a du mal à t'entendre, il faut rappeler tout à l'heure. Voilà, on va rappeler tout à l'heure sur le standard. Du coup, on va poursuivre l'interview de ce soir. Donc, originaire de la Guyane, Valérie, c'est ça? Absolument, je confirme. Ah. Et donc, chanteuse, choriste, auteur, compositrice, tout ça, hein, depuis combien de temps maintenant? Depuis bientôt 30 ans, de manière professionnelle. Ce soir, il y a quand même deux personnes. Hein, franchement, on se sent jeune. Hein, on se sent jeune, Dani, quand on entend ça. C'est ça. C'est ça. 30 ans quand même, ouais. Donc, Luciano de Camzot qui fête les 30 ans de son groupe là samedi prochain. Et là maintenant, avec Valérie ouais. Tribord, donc depuis 30 c'est ça, ans maintenant. Qui a aussi ses 30 ans. Et moi, j'ai 30 ans. Donc, voilà. Ah ben voilà. La team des 30. La team des 30, hein, voilà. Donc... Donc voilà, ça fait maintenant depuis 30 ans. Bah justement, raconte-nous un petit peu tes débuts. Hein, avant les 30 ans. Quoi. Donc comment t'as découvert la musique déjà dans un premier temps. Et voilà, raconte-nous un petit peu parce qu'on veut savoir quand même tes parcours. Hein. Bien sûr. Bah, en fait, j'ai toujours été passionnée de musique. Dans ma famille, on écoutait dans un premier temps beaucoup de musique. Et en fait, quand j'étais déjà petite, je dis petite, j'ai surtout manifesté l'envie de pouvoir apprendre à jouer d'un instrument alors que j'avais 11 ans. Et donc, du coup, mes parents m'ont inscrit effectivement à des cours de piano. Donc, j'ai d'abord appris à jouer au piano. Et puis, à l'occasion de cours de musique au collège, mon professeur de musique m'a repéré et m'a donc fait la proposition d'intégrer sa chorale. De façon à en faire partie, à apprendre à chanter. Et ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Et puis, il y a vraiment une histoire assez extraordinaire. Je dis qu'elle est extraordinaire parce que c'est vraiment là que tout a démarré. Je vais voir un concert du Cassave alors que j'ai 15 ans. Et à un moment très particulier, Patrick Saint-Éloi, qui s'apprête à interpréter le titre Eva,
demande donc à toutes les jeunes filles qui font partie des spectateurs, qui s'appelle Eva, et moi je m'appelle Valérie, mais à ce moment précis je me suis appelée Eva. Il m'a invitée à monter sur scène, j'ai interprété le titre Eva avec lui, et du coup je me suis vraiment fait repérer à partir de ce moment-là, et tout a été très vite. J'ai intégré un groupe très connu en Guyane qui s'appelle les Bluebirds. Et voilà, donc j'ai été la chanteuse principale et j'ai évolué. J'ai commencé à faire des séances de studio, donc des chœurs pour de nombreux artistes locaux. Et c'est comme ça que tout a démarré. Et puis effectivement, ensuite, j'ai eu mon bac. Je suis partie dans l'Hexagone pour suivre mes études, tout en gardant dans un coin de ma tête l'idée de pouvoir faire de la musique mon métier. Ce que j'ai fait au bout de 3-4 ans. Et puis voilà, jusqu'à aujourd'hui. Alors donc la musique, maintenant, c'est un métier, hein? Et complètement. Justement, ça s'est fait en 3-4 ans et c'était galère au début. Ben, au début, quand on décide de monter notamment sur Paris, on n'est pas connu. Mais en fait, je commence à faire d'abord une séance de chœur avec un artiste guyanais. Et dans le studio, il se trouve qu'il y a des musiciens, il y a des producteurs. Et à ce moment-là, la couleur vocale leur plaît. Donc, on me demande de laisser mes coordonnées avec ma sœur, parce que du coup, on a très vite formé un binôme toutes les deux. Jusqu'à aujourd'hui, nous évoluons ensemble. Et puis voilà, on nous appelle, on nous rappelle. On commence à faire quelques séances de studio au bout de 2 ans quand même, parce que la première année, c'était un peu compliqué. Mais au bout de 2 ans, on commence à faire des séances, on commence à faire des concerts. Et puis, de fil en aiguille, on nous appelle avec des artistes un peu plus connus tels que Cesaria Evora, avec qui on a fait 10 ans de sa discographie. On commence à faire des scènes avec elle sur de nombreux festivals. Et puis voilà, et ça s'enchaîne avec beaucoup d'artistes afro-caribéens tels que Jocelyne Abille, Thierry Cam, Eric Virgal. Il y en a énormément, Leila Chico. On travaille avec Gordon Anderson, avec Bernard Lavillier, avec Faudel, avec Tiken Jafakoli, enfin il y en a beaucoup, avec Bob Sinclair et puis avec Bobby Farrell du groupe Boney M. Et donc énormément de scènes, beaucoup de concerts, et aujourd'hui avec Alpha Blondie. Et puis aujourd'hui je décide en tout cas de mener à bien un parcours un peu plus solo avec cet album qui arrive très vite. Ah ben, il y a quand même du level, quoi. À chaque émission, il y a du level quand même, hein. C'est clair. T'as des invités de renom, hein. Il y a du level parce que dimanche dernier, je fais une petite parenthèse. Dimanche dernier, on a reçu Jessica Control, quand même. Elle te connaît. Et quand même, il y a du level. C'est vrai qu'entre artistes, on se connaît, on se côtoie, ou en tout cas, on se voit de loin, et puis on écoute surtout le travail de chacun. C'est ça. Et notamment, donc, avec ta sœur, ta sœur s'appelle comment ? Marie-Paul Tribord. Marie-Paul. Donc, Marie-Paul et toi, donc, pour les chœurs, hein, donc, sur pas mal d'albums, c'est ça ? Oui, en effet, sur de très, très nombreux albums. On a vraiment eu ce privilège finalement de pouvoir accompagner ces nombreux artistes dans leur discographie, mais aussi sur la scène. Et combien de pourcents d'albums ? 50%, 60%, 100% d'albums ou... Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Énormément. Ah. Et donc là, s'il y a une personne là, qui fait un futur album, pourquoi pas justement qu'on contacte Valérie Tribord et Marie-Paul d'ailleurs, donc pour les chœurs. Ça pourrait se faire avec plaisir, bien sûr, absolument. Voilà. Absolument. Donc en exclusivité ce soir, donc sur Télécrire, donc j'annonce que je vais sortir un album. Il y aura Valérie Tribord, donc il va faire les chœurs dessus. Oh, et Marie-Paul. Avec plaisir. Ben. Non, mais ne dis pas ça, Valérie, s'il te plaît. Ne l'encourage pas. Parce qu'on a déjà un épisode pluvieux catastrophique depuis hier. Oh, d'accord. Alors, si Dany se met à sortir un EP, c'est bon. Non, la cyclone tous les jours sur la Réunion, hein. Non, l'album. On peut faire des merveilles, hein, tu sais. On peut faire des merveilles. L'album, ça va s'intituler mes jolis yeux. Voilà. Donc il y aura pas mal Ah mon Dieu. Bah ouais.
Bah attends, j'ai des yeux verts quand même. Hein. Oh. Non, mais qu'est-ce qu'il faut pas faire? Mais qu'est-ce qu'il faut pas faire? C'est pas possible. Bah oui, donc attends. Ah, c'est une chanson. C'est une chanson. T'as vu, c'est une chanson. Voilà. Il est même pas causé en plus la cause là. C'est une chanson autobiographique. Oui, mes jolis yeux. Oui, mes jolis yeux, voilà. Donc avec les cœurs, attention, avec les cœurs de Valérie et Marie-Paul Tribord. Voilà, attention. Hein. Non, bah, voilà, t'as c'est de la chance. Hein. C'est du level. Hein. C'est du level. Hein. Là, franchement, c'est du level. Hein. Non, bon, on rigole quand même un petit peu ce soir. Hein, il le faut, il le voilà. Faut, c'est important. Voilà, il faut rigoler oui, quand même c'est des très des important. Fois. Et notamment donc il y a eu pas mal de tournées aussi donc toi et Marie-Paul aussi hein, donc des tournées. Beaucoup de tournées aujourd'hui là depuis quelques années on accompagne notamment l'artiste Alpha Blondy et c'est vrai que Alpha est un artiste qui tourne énormément en tout cas avant l'épisode Covid qui nous a mis un petit peu entre parenthèses tous hein, on a tous été concernés. Mais voilà, on va retrouver très vite la scène. Et puis, comme je le disais, cet album à venir qui s'intitule Mon Voyage. Mon Voyage, qu'on va retrouver d'ailleurs les infos tout à l'heure. Et justement, pendant cette tournée-là, quel était le meilleur pour toi? Alors, il y a toujours en fait de beaux moments. Et en fait, alors je suis souvent de nature à garder toujours le meilleur, toujours le bon. Mais c'est vrai qu'il y a des scènes qui ont été assez exceptionnelles, telles que des scènes en Afrique et notamment dans des stades où on a performé devant, je sais pas, 100 000, 200 000 personnes. Ah et ouais. Ça, c'est assez impressionnant, notamment sur d'autres festivals aussi. Et ça reste des moments magiques et des grands moments de connexion. Ah ouais, quand même. Là, je visualise quand même quand je vais faire mon album d'avoir justement toutes ces personnes-là en concert. Ah, c'est pas mal. Hein. Ah, qu'est-ce que t'en dis, Toinel, hein? C'est totalement magique. Écoute. Écoute, c'est incroyable. À partir de maintenant, Valérie Tribord, c'est l'une des contacts célèbres dans mon répertoire téléphonique. Ah oui, au vu du nombre de gens qu'elle connaît, non, mais juste Alpha Blondy, quoi. Ah oui, attends, référence, c'est la référence, quoi. Hein. C'est incroyable. C'est exactement. C'est un artiste incroyable. C'est ça. Absolument, ça c'est vrai. En effet. Ouais. Et notamment donc le premier single qui sort à quel moment? Alors le premier single en fait issu de l'album en fait il sort déjà c'est Hello Sunshine oui. Qui sort l'année dernière donc ça fait un an qu'Hello Sunshine est sorti. Et qui effectivement ouvre le bal, tout simplement, dans l'annonce de l'album à venir. Et c'est quoi l'histoire de Hello Sunshine, la chanson? Alors Hello Sunshine, c'est un titre que j'ai écrit dans des circonstances particulières, parce qu'en fait je décide de partir me confiner en Guyane, premier confinement annoncé, et je décide de partir en Guyane, me rapprocher des miens, et tous les matins, j'avais cette envie de pouvoir partager du soleil, de la chaleur, de la lumière avec toutes les personnes qui me suivaient à travers les réseaux sociaux. Et Hello Sunshine, je commence à l'écrire. Il y a une inspiration qui arrive à ce moment. Je compose ce titre avec Julien Lacharme, qui est le guitariste d'Alpha Blondy. Donc lui, il m'envoie la musique, j'écris le texte. Et je commence à... Enfin, je rentre à Paris, je rentre au studio, je pose... Et naît Hello Sunshine. C'est vraiment un titre qui a été écrit. Alors, c'est une histoire d'amour, en effet, mais c'est surtout l'envie de pouvoir partager du soleil et rentrer dans les foyers d'une certaine façon. Et le clip a été réalisé par qui? Alors, le titre a été réalisé par Phil Labonté, qui est un réalisateur de chez moi, en Guyane, ouais. Puisque Hello Sunshine a été tourné en Guyane. Il me tenait à cœur de pouvoir tourner ce premier clip et ses premières images en Guyane, parce que la Guyane offre un panel de végétation, de décors tellement magnifiques, donc c'était important pour moi. Et puis, ben, pour le coup, d'avoir une équipe tout simplement en Guyane, je me devais d'en profiter. Donc en Guyane, donc le clip a été tourné et ça donne quoi justement en a cappella Hello Sunshine? Alors Hello Sunshine, ça donne toc toc on entend la porte
pour elle, hello sunshine. De timoya dot run mon ya pudito qui m'a bien content wato et qui m'a ka son jeto même au pâté kawé sa vini run ti bagage kasukwe mon l'esprit mo tchoukou m'en s'est fait boum 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 et comment s'est fait boum. En moi, l'esprit pagan, blou, 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 assuré à l'amour. Et hello sunshine, shine, hello sunshine. Ah, j'adore, ah, franchement. Oui. Ma, mon cœur fait boum, boum. Elle a une voix. Elle fait boum, boum, boum. Boum, 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 boum. Une diva, franchement, j'adore. Ah, oui, une voix, mais c'est quand du même, miel, quoi. Ah oui. Alors, ce que je propose d'ailleurs, c'est de regarder le clip et puis on revient juste très après. Bien. C'est bon. Attends, parfait. C'est avec un rappel de jeu on a juste après. C'est bon. D'accord. À tout de suite. Allez, à tout de suite.
90. 100 euros chaque dimanche dans ton émission. Allez, de retour pour... ce soir en direct sur Créole FM et Télécréole. Ça va toujours, Anaël? Ouais, ça va toujours, en forme, en de bonne compagnie, Valérie, qui est une merveilleuse personne. Merci. J'adore, franchement. Bravo pour ce que tu fais. Merci beaucoup, Anaël. Et ça fait plaisir. Merci, ça fait plaisir aux oreilles. En ce dimanche soir. Voilà, un petit rappel de jeu avant donc, de ne fais jamais les cœurs de Dani, s'il te plaît. Ne gâche pas ton talent, s'il te plaît. Non, mais Yannelle, je te calme. C'est bon, elle va faire pour moi. C'est bon, on a négocié bon, hors antenne. C'est bon. Ce sera bon. Dans le partage, ce sera toujours dans le partage. Oui, ben voilà. Attends. Oh. Bon, allez, Anaël, un petit rappel de jeu pour ce soir. Oui, un petit rappel de jeu parce que oui, Tropical Night Live Tour et donne à Zod des cadeaux. Et surtout, le cadeau du moment, c'est le jeu Night hein, qu'on entend, qu'on voit partout sur les réseaux sociaux et même là dans l'émission. Donc, si vous voulez tenter de gagner 100 euros chaque dimanche au tirage au sort, donc il faut envoyer le mot Night par SMS au 90 pour s'inscrire. Donc, vous aurez des questions à répondre. Il faut aller jusqu'au bout du jeu, donc avec vos coordonnées également, parce que si vous êtes tiré au sort et qu'on n'a pas vos coordonnées, on ne pourra pas vous appeler, tout simplement, et vous ne pourrez pas gagner les 100 euros. Et vous avez également un séjour de 3 nuits pour 2 personnes, plus petit déjeuner inclus, à l'hôtel Le Floralis. Pour cela, il faut envoyer le mot Floralis par SMS au 80-90. Voilà pour les cadeaux, Dani. Merci en tout cas, Naël, pour le rendez-vous. Je retrouve un petit peu plus tard, avant 22h, pour ce soir. On salue quand même... On salue quand même Emma Photo également. Salut Emma, un petit coucou du côté de la page Instagram. Hein. Emma qui fait les photos, hein, donc bientôt peut-être qu'il va faire, elle va faire les photos pour l'album, hein, le shooting photo de Dani, donc le prochain album. et puis voilà, hein, salut Emma. Non, je plaisante. Je plaisante. Hein. De temps en temps, il faut bien plaisanter. On poursuit justement donc avec le deuxième single. Maintenant, c'est un duo avec ta sœur Marie-Paul. Hein. Absolument, Briga Briga. Briga Briga. Alors, ça signifie quoi, Briga Briga? Alors, Briga Briga, en fait, en créole guyanais, comme en portugais d'ailleurs, Briga, c'est se battre. Alors, au sens propre comme au sens figuré. Et là, c'est vraiment dans le sens où ces derniers temps, et de manière générale, la vie n'est pas toujours très facile pour tout un chacun. Mais pour autant, on doit toujours trouver la force et avoir la capacité de se battre, se lever le matin pour pouvoir réaliser ses rêves. Et c'est un petit peu le fond du texte de Briga Briga. Voilà, ne pas baisser les bras, croire en soi et se battre pour arriver là où on le souhaite. Donc, y a un texte aussi en créole guyanais, c'est ça, Absolument, c'est en créole guyanais, tout à fait. Et ça donne quoi en acapella, justement, chanson? Alors, ça fait « Allez, l'évélité, bougez toujours pas les poux, vencez, songez qui si tôt choisi dromi, tout qu'est toujours faibli, si toléré ici, faut tolérer bonheur. Commencez à présent, m'arrêtez au fort, t'opétendez chaque jour, tchimbez mon frère, mon sort, mais choisis-toi la vie, savez qui chemin pour prendre, faut nous tout briga, faut nous wake up, briga, briga, faut nous wake up, briga, briga, faut nous wake up. Ah, oh, j'adore. Oh, ah, franchement, si on tombe pas fan, on tombe plus fan. Hein. Ah, moi je suis tombé. Hein. Je suis tombé. Ah ouais, je vois que tu tombes là. Tu es en train de tomber là, justement. Il y a Emma Photo qui dit ça serait un rêve le modeling. Bah oui, ce serait un rêve quand même, hein, Emma, hein, de faire ce shooting photo. Voilà, en plus, pour mon prochain album, je vais jouer devant 1 million de personnes. C'est cool, quoi. alors, du coup, donc. Le clip, donc Briga Briga, a été réalisé toujours avec la même personne ou t'as changé? Exactement, ouais. Toujours avec la même personne, Phil La Bonté, en Guyane. Encore, ça a été le deuxième clip tourné en Guyane. D'accord, donc voilà. Et on va partir quand même sur le troisième single.
parce que le temps court, allez, court très très vite. Donc troisième single en duo avec, avec qui d'ailleurs? Avec Jean-Michel Routin, qui est un artiste guadeloupéen très connu, pour ceux qui connaissent notamment l'un de ses plus gros tubes, Lay ou Love. Et en fait, il me tenait en fait, à cœur de pouvoir faire un duo avec Jean-Michel, parce que c'est un artiste avec lequel j'ai travaillé il y a de nombreuses années, mais surtout que j'ai toujours eu une affection particulière et une attraction particulière pour son travail, une admiration même pour son travail. J'ai soumis l'idée de pouvoir faire ce duo, j'ai soumis l'idée à mon équipe, qui est donc Couleur Music Publishing. Et en fait, du coup, ils ont permis la connexion, la reconnexion avec Jean-Michel. Et on a travaillé à distance parce qu'effectivement, le contexte sanitaire oblige. Mais nous nous sommes retrouvés pour le tournage du clip en Guadeloupe. D'accord. Toujours la même personne qui a réalisé le clip également ? Non, là, c'est Manuelito, donc réalisateur guadeloupéen. Donc, je me suis déplacée, j'étais à la rencontre de Jean-Michel. Et on a tourné le titre de ce fameux titre. On a envie. J'avais juste envie que tu le dises. Bah oui, j'en ai envie, on a envie, on a tous envie. Hein. Alors justement, on a envie, ça parle de quoi cette chanson d'ailleurs? Alors, c'est une histoire d'amour, parce qu'il faut savoir, Dani, que l'amour, c'est vraiment le thème central de mon album Mon Voyage. Et là, donc, c'est une histoire d'amour entre deux êtres qui se connaissent depuis de nombreuses années, mais qui ne parviennent pas à se connecter, parce que tout simplement, ils se croisent, ils se recroisent. Il y a souvent des échanges de regards, parce que dans les regards, on en dit long. Et puis, il y a un moment où le moment arrive, où ils se connectent véritablement et voilà, ils décident finalement de se laisser aller à cette envie de pouvoir partager leur vie ensemble. Donc voilà, c'est une belle et grande histoire d'amour. Et d'ailleurs, parce qu'il y a Emma, Emma, c'est une blague, hein. Elle me demande votre projet sort quand. Non, c'est une blague, Emma. Merci énormément pour le petit coucou, bonsoir à vous tous et à toute l'équipe. Merci en tout cas, Emma, pour le petit message de ce soir également. Un message arrivé au 0692 170 862. Bonsoir Azote, à toi Dani et à Manana et aux artistes, je suis toujours connecté. Exode, même très fatigué par mon week-end de travail, de gros bisous à Zod. Donc ça c'est ça c'est ta maman. Ouais, c'est ma petite mamounette qui m'a fait tant de petits messages. Merci. Oui, elle a travaillé parce que oui, il y a des gens qui travaillent parfois le dimanche et elle en fait partie. Elle est très courageuse, ma maman. C'est toujours très touchant. C'est toujours très touchant, ces messages. Malgré la fatigue, elle trouve le temps pour m'envoyer un petit message pour m'encourager. C'est une maman en or. Alors justement, on va regarder les deux clips, donc Briga et notamment donc le titre, le clip On a envie. On revient juste après, c'est bon? Parfait. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Allez, lève-les, c'est bougé, touche pas d'épouvanciers. Songez qu'ils y touchent, ou ils y dront mito qui est toujours faibli. C'est toléré ici, faut tolérer bonheur. Commencez à présent, m'arrêterai fort. T'en prétendais chaque jour, tiens, bérette par mobile. Faut choisir tôt la vie, savez qui chemin pour prendre. Commencez à
m'arrêtons la fort. Top étendé chaque jour, j'ai des mots frais, mon sort. Mais choisis-toi la vie, ça vit qui chine un coucou. C'est trop mis, tout qu'est toujours faible. Si t'as l'aise, faut te lever. Commencez à présent, m'arrêtons un fort. T'en pétendez chaque jour, tu bérettes pas oui. Choisis-toi la vie, savez qui chemin pour toi. Yeah.
avec l'équipe complètement barjou. 20h-22h, Tropical Night Live Tour, en direct sur ta radio, mais également sur ta télé. 100 euros chaque dimanche dans ton émission en participant au jeu Night par SMS au 80-90. 100 euros chaque dimanche dans ton émission. Allez, de retour en tout cas sur Créole FM et Télé Créole. Dernière ligne droite en tout cas pour ce soir. Ça va toujours, yes. Annelle et Valérie? Tout va très bien. Ça va toujours. Ça va très très bien. À défaut de Daniel et Valérie, ça c'est bon. Il y a un moment où il fallait la placer. Ça c'est fait. Ah bah ça c'est fait. Hein. Daniela qui nous dit trop belle le clip, Valérie, franchement magnifique, j'adore trop. Ma mère, elle adore ce genre de musique. Hein, donc, merci beaucoup. Ça c'est son kiff. Voilà. On vient de regarder deux clips là et le prochain donc ça s'appelle Replay et ça c'est un trio. Exactement, Replay c'est un trio. Alors j'ai cet incroyable privilège, j'ai cette chance de pouvoir être entourée de Claudie Siard et d'Ariel Chéné. Alors Claudie Siard pour la Guadeloupe, Ariel Chéné pour la Côte d'Ivoire. Et encore une fois, ce trio, je l'ai pensé d'une certaine façon, et il était important pour moi de pouvoir, parce que d'abord il faut que je te dise, en fait, que je vous dise à tous les deux que j'ai un lien très particulier avec l'Afrique, parce que c'est un continent sur lequel je me rends régulièrement en tournée de manière générale, et la Côte d'Ivoire en particulier parce que c'est peut-être l'endroit que je connais le mieux, où je me rends le plus souvent, et donc j'avais envie de choisir un artiste ivoirien, et à côté de ça, Claudie pour moi c'est vraiment la personne qui représente très bien le pont, qui fait vraiment le pont entre l'Afrique et la Caraïbe notamment. Et puis moi, étant de la Guyane, j'ai pensé que véritablement ce trio pouvait être quelque chose d'intéressant. On va regarder le clip tout à l'heure, enfin pour la fin de l'émission. D'ailleurs, on part sur le standard. Allô ? Allô ? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je vais faire un petit coucou à la Guyanaise. Ah, ben bah, vas-y. Oui, moi je suis rayonnaise, Odette Catherine. Enchantée, Odette, enchantée. Merci, vous aussi. Ben, j'appelle pour, comment elle s'appelle, Valérie Tribord, c'est la Guyanaise, c'est une belle femme, elle chante. Merci. Bien. Mon mari, c'était un Guyanais. Et très bien, oui. Très bien, ben, enchantée en tout cas. Merci beaucoup pour ce message et cette intervention. Oui, merci bien. Ben, je suis contente. Bon, les Guyanaises chantent très bien, les Rayonnaises aussi, mais les femmes entières chantent très, très bien. Ah oui, ça, et je confirme. Et la musique sentimentale. Ah, oui, ça, c'est... Beaucoup, beaucoup d'amour, toujours. Beaucoup. Ben, écoutez, Valérie, tu chantes très bien. Félicitations. Merci beaucoup, merci infiniment. Voilà, ben c'est Odette. Voilà. Merci Odette, très très bonne soirée à toi. Merci Odette. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Ah ben quand même, il y a quand même du monde. Hein. Il y a aussi, justement, il y a aussi, si on parle là-dessus, là, sur Insta, Emma Photo qui dit « J'aime beaucoup ses musiques, bravo à elle. » Merci Emma. Merci Emma. Voilà, donc elle voulait savoir justement au niveau de tes projets d'ailleurs. Donc justement au niveau de tes projets, comment ça se passe là pour cette année ? Il y a de nombreux projets. D'abord la sortie de l'album prévue le 23 mai. Le 23 avril, que dis-je. Donc en fait c'est vraiment c'est pour moi quelque chose de très particulier et de très important, parce que c'est quand même mon premier album solo que j'offre. Je l'ai intitulé Mon Voyage parce que c'est un vrai voyage musical que j'offre, tout simplement parce qu'on part d'un style, d'un genre à un autre. Et pour moi, c'était une évidence pendant de nombreuses années. Et encore aujourd'hui, j'accompagne des artistes dans des genres très éclectiques. Et il était difficile pour moi
de choisir un style en particulier pour ce premier album. Donc, de manière naturelle, les compositions, l'écriture de cet album est arrivée aussi de manière très éclectique. Donc, d'abord la sortie de cet album et puis des showcases et des concerts prévus cette année également. Donc, c'est pour ça qu'il est important de rester connecté. Et j'en profite d'ailleurs pour dire à tous les internautes, les auditeurs, les téléspectateurs qui peuvent me suivre sur mes différents réseaux, Instagram, Facebook et sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Je suis très active et je réponds aux messages. Et d'ailleurs, en parlant des réseaux sociaux, justement, on te retrouve sur les réseaux, sur Valérie Triban. Est-ce que tu peux donner le nom? Absolument, voilà. Valérie Tribord officielle sur Instagram, sur Facebook et sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc ça, on peut quand même te suivre sur les différents réseaux sociaux. Et à Emma qui dit avec plaisir, vraiment talentueuse et plein de bonnes choses pour ce premier album solo et à ta carrière. Merci beaucoup. Et puis en même temps, Dani, j'en profite pour dire qu'évidemment, tous les titres que nous avons écoutés sont bien évidemment disponibles sur toutes les plateformes. Et puis, mais vraiment, allez découvrir tous les nombreux clips. Ouais, je vous y invite. Voilà, donc notamment aussi donc le projet que Valérie n'a pas dit, donc au cours de l'année, il y aura aussi mon album avec aussi cette talentueuse chœur. Entre autres, voilà, absolument, voilà, entre autres, c'est l'enregistrement de ton album, Dani. Voilà, donc on fait à distance. Voilà, c'est ça, c'est tout ça. on fait à distance, hein, voilà, on va faire la tournée entre, enfin on va faire le clip entre La Réunion et la Guyane, et même à Paris. Ah, bah, il faut tout, bien... est possible. La pensée crée. Ah. Bon, c'est bien de pouvoir verbaliser les choses de façon à les créer. Ah bah, il faut bien. Même si Annaëlle n'est pas d'accord avec moi, bon après voilà, c'est Annaëlle. Hein. Après Annaëlle, vraiment, elle est aussi chanteuse aussi Annaëlle. Hein. Il faut le dire. Mmh. Et ben justement Annaëlle, quand est-ce qu'un featuring avec Valérie Tribord? Ah, toi tu me mets en featuring avec tous les artistes, moi je dis pas non, hein. Je voyage avec toi, je vais en Guyane, Guadeloupe, Martinique, bientôt Côte d'Ivoire. Je t'y invite. Ah, je viens avec plaisir, moi j'aimerais trop, et imagine, ça serait trop cool, hein, un feat avec une Réunionnaise et une Antillaise, 100% girly, girl power. Absolument, mais en plus j'ai des contacts avec certains artistes de l'océan Indien tels qu'à La Réunion, Mayotte aussi, parce qu'en fait j'ai beaucoup travaillé avec des artistes maorais tels que Bako, Malèche, Mikidash, enfin il y en a quelques-uns, et puis j'aime beaucoup aussi le travail de Stéphanie Tazar. Qui est donc de La Réunion, à qui je fais un petit coucou, j'en profite évidemment, mais ils sont nombreux tous ces artistes-là, et il y a un vrai beau travail qui se fait aussi de la part. Salut Stéphanie Tazar, donc aussi donc Stéphanie connaît cette émission d'ailleurs, donc elle est venue pas mal de fois aussi également. Salut Stéphanie, et peut-être aussi un duo avec Stéphanie aussi, hein, pourquoi pas. Hein. Stéphanie, je veux aussi un duo avec toi. Allez, trêve de plaisanterie d'ailleurs, donc dernier carin, comme on dit souvent. Des remerciements à faire Valérie Tribord. Pardon, excuse-moi. Ben, écoute, évidemment, je vous remercie, vous, déjà de m'avoir accueilli ce soir. Je remercie toute mon équipe qui me suit de Couleur Musique Publishing. Et puis forcément, tous les auditeurs, les téléspectateurs, les internautes et toutes ces personnes qui me suivent déjà. Et puis toutes les nouvelles qui vont arriver, à qui je dis bienvenue. Ben, merci en tout cas Valérie, merci. Ben écoute, c'est une découverte aussi pour moi, et puis ben, pour nous également, hein, pour les personnes qui te connaissent pas ici à La Réunion. Et puis ben tu reviens quand tu veux. Donc, merci beaucoup. Tu reviens quand tu veux, la porte est toujours ouverte. Hein, donc, Oui, hein, nous ici. Nous ici. Voilà, on t'accueille à bras ouverts. À portes ouvertes. En tout cas, merci.
Voilà. Est-ce qu'on peut terminer tout simplement cette interview en a cappella, Valérie? Oui, bien sûr, sur le titre replay. Oh, yes. Voilà. Alors, on a déjà tout essayé. Faut l'accepter, nous deux, c'est mort. En s'embrouillant en replay, on y a pourtant mis tant d'efforts. Parfois, c'est pas les sentiments, juste les défauts. Ah, cool. Et alors? J'adore. J'adore. Bon, en tout cas, merci Valérie. Très, très bonne continuation. Merci. Merci beaucoup. Belle découverte, en tout cas. Merci. La Midomiastie, enfin, Midomiastie, parce que voilà. Ouais. Il faut continuer merci. À inviter ce genre d'artiste. Ah, bah écoute, oui. Merci infiniment. Tout le monde adore quand j'invite des artistes. D'ailleurs, dimanche prochain, on reçoit Perle Lama. Un gros bisou à Perle déjà. Après, tu vas inviter une personne que j'affectionne. Oui, on invite aussi Darius Desnon, donc il sera à la réunion du 14 au 24 avril. Darius Desnon. Et puis, bon, pour la fin du mois, le 24 avril, Mehdi Kustos et Féline également. Donc voilà pour la programmation du. Un super programme. Ah, ils te le veulent aussi de ton côté, Dany. Franchement. C'est ça. Il faut bien. Hein. À faire jalouser certains. Oh là là. Bon, et puis, merci à Karine également. Hein, donc, et peut-être aussi, on aura aussi Warren également en interview le mois de mai. Ah voilà. Si tu peux le mettre un dimanche où je suis là, ça serait bien. Pas du tout. En tout cas, allez, 21h54. Au moins, on a le temps de passer le dernier clip de. Valérie Tribord, donc avec le trio. En tout cas, très très bonne soirée tout le monde. Souhaitez les créoles et femmes. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Bisous. Et on se quitte avec le trio, hein, avec le clip. Très très bonne soirée tout le monde. Ciao, bye bye. À bientôt. Au revoir. Bye bye. On a déjà tout essayé, faut l'accepter nous deux, c'est mort. On s'embrouille en replay, on y a pourtant mis tant d'efforts. Parfois c'est pas les sentiments, juste les défauts. Toi et moi peut-être différents. On a dû faire toutes ces choses trop tôt. On va pas forcer à babou-mon. On va pas se laisser non. C'est pas pour moi, c'est pas pour toi, on va pas se déchirer. Tout ça c'est pas pour. C'est mieux comme ça. Non, c'est pas pour nous. On va pas se perdre la tête. On va pas faire la tête, non. Ma chérie, hey, hey. Tu sais combien je t'aime au fond de moi. Ma chérie, oh, oh mon chéri. Faudra pas se faire du mal, non, oh, maman. Ça tourne en replay. En replay, tourne en replay. D'accord, yeah. Tourne en replay. En replay, tourne en replay. D'accord, yeah. Toi et lui, c'est commando. Vous avez bataillé, ouais. Comme tu sais, il a essayé. Val, faut avancer. C'est papa l'arbre qui va tout gâcher. Cayenne à vide, j'en faut pas mêler. Je sais. Vous resterez liés, ouais. Même s'il ne t'a pas marié. Ah, tu étais mon amour. Je t'aime et je t'aimerai. À jamais, jamais. C'est pas pour nous. Ma chérie, oh, oh, oh. C'est combien je t'aime au fond de moi. Ma chérie, hey, hey, hey. On va pas se faire du mal, non, maman. Ça tourne en replay, en replay, tourne en replay. D'accord. Ça tourne en replay, tourne en replay. D'accord. Écoute, on a tout essayé. Arrêtons de nous marcher dessus. Et si nos chemins se séparent, ce n'est ni de ta faute ni la mienne. Dans la vie, y'a l'homme qui propose. Et après, c'est Dieu qui dispose. Ouais. Qu'on a des pieds, ouais. Jamais je n'aurais pu imaginer vivre un jour de ma vie sans toi. Mais quand je repense à nos palabres, je me dis que c'est peut-être mieux. Ma chérie, oh, oh. Tu sais combien je t'aime au fond de moi. Ma chérie, hey, hey, hey. Oh, mon chéri. On va pas se faire du mal, non, maman. Ça tourne en
sœur. Il n'y a pas qu'un téléviseur en magasin. Arrête d'appuyer sur replay. J'ai peur.